Ici, nous avons les graines de précocerie, je ne sais pas comment on appelle, vicuno. Regarde. Ici, nous avons 91 graines. J'ai 91 graines ici. Vous devez le faire en ligne comme ça. Hein. 91 graines ici. Le point à vous les mains. J'ai tout vidé. Ici, j'ai les piments de Guinée. Atakoukouin. Atakoukouin. J'ai 91. J'ai 11 graines de piment de Guinée. Maintenant, ici, j'ai la coupe de girofle. J'ai la coupe de girofle ici. Je prends également. Je prends également 80. J'ai ça 91 ici. J'ai 80. J'ai également 80. Rien ne manque. Hein? Ok. J'ai également 91 ici. Vous voyez maintenant. Après avoir mis le colis, j'ai ajouté 16, allez, 91, c'est bon. J'ai ajouté 91, j'ai ajouté combien? 91 graines de précocerie pourri, je ne sais pas, de vie et 91 coups de girofle. Et 91 graines de piment de Guinée. Et le courrier est aussi 91. Maintenant, nous avons trois types de racines ici. Ici, c'est oui, regardez bien. Vous voyez, c'est les feuilles là qui sont en mer. Oui. Ici, nous avons, ça, c'est le mâle. C'est le mâle que vous devez faire tuque là. Oui. Et avant de le faire, vous devez payer ça là 3 jours d'avance, mais 4 jours d'avance. Et vous laissez dans la chambre et non sous le soleil. Vous prenez trois feuilles. Ici, nous avons trois racines. J'ai la racine de Calostropia procera. J'ai la racine de Jatropha blanc. J'ai la racine de Jatropha rouge. Et puis c'est fini. Maintenant, je vais mettre maintenant les racines. Les racines. Maintenant, après avoir mis les trois racines, je mets maintenant ces choses, les trois feuilles de Afama Asu. Les trois feuilles de Afama Asu. Maintenant,
Je vais mettre ceci. Et rien, oui. Je vais ajouter rien, oui. Et comment? C'est comme si que je la plantais. Donc, il y a ici 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je mets ça, comme si je suis en train de le planter. Après avoir mis ça maintenant, je dois mettre maintenant ceci. Il y avait 16, non? On a enlevé 7. Il reste 9. Donc les 9 restants de rameaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Maintenant, pour finir, je dois ajouter un piment de Guinée. Piment de Guinée, petit, un petit piment de Guinée. Bon. Au cas où ça ne peut pas entrer dans la bouteille, essaye de faire comme je le fais. Attention, aucune de ces graines ne doit pas perdre. Aucune. Vous voyez, aucune des graines ne doit pas perdre. Je suis en train de faire une petite vidéo à côté pour encore balancer ça sur les réseaux pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Maintenant, comment l'utiliser? Je dis bien, c'est le soir. Au coucher. Maintenant, tout est top. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois ajouter de l'alcool. Maintenant, vous allez laisser reposer pendant 3 jours. Le 4e jour le soir, si vous voulez prendre ça dans la journée, ça doit être 6 heures. Ça doit pas vu le jour. Pourquoi? Là, tout ce qui est ténébreux, les sorts qu'on vous a jetés, les incantations qui vous bloquent, voilà votre revêt. Et ceci, en même temps aussi, lutte contre toute malédiction. Donc, lorsque vous prenez, quand quelqu'un vous envoûte, il vous reprend même son cas. Retourne l'envoyeur. Voilà tout. Et lorsque vous faites des rituels, cela ne marche pas. Ou bien des femmes à qui on a attaché le ventre pour que vous ne pouviez pas avoir d'enfant, ou bien un homme à qui ils ont attaqué son sperme. Voilà votre revêtement. Voilà. J'ai préparé ça devant vous. Hein. Vous voyez? Allez utiliser seulement. Hein? Que Dieu, et puis Dieu fortifie ça. C'est guérison assurée. Hein? Lorsque vous allez commencer par le prendre, vous allez voir que le temps a changé. Je dis bien, c'est guérison assurée. Voilà.
Maintenant, regardez ce que je vais vous montrer. Ici, j'ai une bague. Bague au pouvoir. Bague d'exécution. Une bague d'exécution. Cette bague, lorsque vous le portez, tout ce que vous avez dit, si vous dites c'est la mort, c'est la mort. Oui. Si vous dites la mort, c'est la mort. Si vous dites la vie, c'est la vie. Dans cette bague, moi, je conseille cette bague à toute pratiquant. Moi, je le fais, mais je le fais spécialement pour les prières et pour l'exorcisme. C'est emballé ici. Vous avez plusieurs types de celles que vous voulez choisir. Regardez. Il n'y a qu'une seule noix dedans. Regardez. Il y en a de prix en prix. Si c'est pour le pentacle, disait que vous voulez, regardez ça. C'est ça. Vous portez au doigt. Ça dépend celle dont vous désirez. Voilà. Et dans la boîte, il y a une petite chose là pour vous dedans. Il y a un petit poudre là dedans. Ça là, il y a, je vous ai donné, il y a un cadeau de ça dedans, et puis plus un peu de poudre. Donc, c'est-à-dire que débat milieu minamo quoi. Donc, c'est une bague d'exécution. Berger Raphaël, le prophète du Bénin, plus 229, le 95, 26, 41, 46. Plus 229, le 95, 26, 41, 46.